la défense du trottoir. Laissez passer les gens, défendez les trottoirs, s'il vous plaît. Malgré leur faiblesse. Conseillère admirable au milieu des incertitudes, consolatrice intarissable en toute adversité, accorde de la sécurité du Saint-Scapulaire. Des filles qui s'en tiennent, viens modeler les cœurs jusqu'à ce qu'ils ressemblent à ton cœur très aimable. Nous demandons la paix, ô reine bienveillante. Écoute notre supplice. Aide-nous puissamment. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exulte le Seigneur. Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront ton nom. Le puissant qui pour moi demeure le Saint et Saint Mère. Sa miséricorde s'est en présent d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Marie a cru que les paroles de l'ange étaient vraies, que cette parole était déjà un événement, une œuvre de Dieu en cours d'accomplissement. Et Marie croit au présent. Elle croit que l'œuvre de Dieu se réalise en elle. Elle n'a pas peur de dire que les générations tout entières la diront bienheureuse, que Dieu fait grand en elle et par elle. N'est-ce pas cela la joie de Pâques, la vie qui passe par nos limites, qui les traverse et qui jaillit victorieuse et vivifiante? Que nous soyons grands ou petits, peu importe, Dieu fait son œuvre en nous. Et son œuvre est toujours une grande, une belle œuvre. Merci pour votre foi, Marie, votre foi si grande. Demandez pour nous la grâce de la conversion, que nous tournions résolument nos cœurs vers Dieu et entrions dans la louange. Le Seigneur fait pour nous des merveilles, saint est son nom. Thank you.
enfant de l'Église à faire naître à la vie divine par l'eau du baptême, de grandir par l'Évangile et les sacrements, à la ressemblance de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de la Vierge Marie, le premier-né d'une multitude de frères et le Sauveur de tous les hommes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.